Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur les ballons bleus de Donkey Kong Country 2. On s'attaque tout simplement au tout premier qui se trouve dans le stage Micmac dans la mature. Mais cette vidéo va également vous permettre d'obtenir beaucoup de vie très très rapidement. Donc l'astuce est simple, vous vous rendez dans ce stage, il n'y a absolument aucun prérequis à paraître rendu à ce niveau. Vous prenez Dixie et là vous vous élancez comme ceci et vous allez juste en dessous de la plateforme de départ au niveau du mât. Et vous tombez directement dans la warp zone. Donc que je présenterai dans la vidéo des warp zones du monde 1. Et vous arrivez directement à la fin du niveau. Alors à quoi ça sert? C'est tout simplement que derrière la cible de fin, vous voyez que vous avez un des trois ballons bleus du jeu. Donc effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est très rare et ça vous donne quand même 3 vies. Donc les ballons bleus, vous pouvez en choper chez Swanky, si je me rappelle bien. Donc les bonus à gogo de Swanky. Mais vraiment dans les stages, vous en avez que 3 possible à récupérer. Alors l'utilité de cette astuce, c'est que vous voyez que c'est très rapide à répéter. Là je suis déjà à ma deuxième fois et je peux choper déjà encore 3 vies très rapidement en reprenant la warp zone, et vous recommencez ainsi indéfiniment jusqu'à temps d'avoir assez de vie pour continuer le jeu. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez retourner à tout moment dans ce monde-ci pour rechoper des vies avec Funky. Donc ça peut être vraiment très utile. Et franchement, je pense que c'est une des meilleures astuces pour choper des vies. Ça va très vite. Et vous verrez que les deux autres ballons bleus ne se chopent pas comme ça dès le départ, parce qu'il faut quand même aller soit à la fin du stage, soit au milieu. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure astuce. Donc je vous la conseille fortement. Si vous avez des questions, des remarques, des petites stratégies à proposer pour cette astuce, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Donkey Kong Country 2. Allez, salut.